La région du Nord-Pas-de-Calais, nous avons pris cette question de la restauration scolaire à bras-le-corps. Hein. C'est une des questions essentielles de ce mandat. C'est une de nos priorités. Je vous rappelle que nous avons 160 sites de restauration scolaire, que nous servons 56 000 repas par jour et que nous avons 11 millions de repas qui sont donc servis dans nos restaurations scolaires par an. Je pense que le gaspillage alimentaire concerne tout le monde, hein, que l'on soit de la communauté éducative, que l'on soit élève, que l'on soit proviseur, que l'on soit chef, que l'on soit parent même. Le gaspillage alimentaire concerne tout le monde. Donc aujourd'hui, il nous faut réfléchir à comment nous pouvons faire en sorte de réduire ce gaspillage alimentaire. Le lycée et le CFA agro-environnemental de Tilloy est un établissement qui dépend du ministère de l'Agriculture. Ces établissements sont fortement très engagés dans les problématiques de la production, mais aussi ont le souci du devenir des produits alimentaires à la suite de leur production. Et c'est pour ça que lorsque le conseil régional a lancé le projet Green Cook, tout naturellement il a posé la question à l'établissement et que l'établissement a répondu évidemment favorablement à ce projet qui est vraiment un projet qui est au cœur des problématiques de notre établissement. Une partie de nos formations sont destinées à de futurs agriculteurs ou en tout cas des jeunes qui vont travailler dans le cadre de la production agricole, qu'ils soient agriculteurs ou conseillers agricoles. Dans ce cadre-là, il faut bien qu'ils appréhendent une logique globale de production en ayant bien à l'esprit le devenir des matières premières qu'ils vont produire. En quelque sorte, le slogan qui est souvent utilisé dans d'autres sphères, c'est de la fourche à l'assiette. Donc voilà un slogan qui nous va assez bien et qui correspond bien à ce que nous voulons faire comprendre aux jeunes qui sont en formation chez nous. La priorité, c'était de nourrir les élèves, pas de nourrir les poubelles. C'est pour ça que nous sommes entrés dans cette démarche, pour quantifier, essayer de définir réellement ce qu'était le gaspillage alimentaire, d'essayer de s'organiser avec toute l'équipe du lycée pour travailler en amont du service ainsi qu'après le service, et puis nous bien sûr en cuisinant, pour diminuer le plus possible le gaspillage alimentaire. Au moment même de la distribution, ça nous permet de converser avec les élèves, de savoir leur appétit sur le moment, quelle quantité leur servir dans l'assiette, etc. Et puis d'échanger sur les produits qu'ils veulent manger, qu'on leur sert, pour gâcher le moins possible, pour éviter le gaspillage. Ici même, on a changé par exemple le pain. Voilà. Donc on est passé du simple au double au niveau tarif. Mais le pain est bien évidemment de meilleure qualité. C'est un boulanger qui travaille à 4 km d'ici qui nous fournit le pain, donc ça change quand même beaucoup de choses. Et puis, le fait de travailler sur le gaspillage nous permet d'acheter en plus petite quantité, mais une meilleure qualité, tout simplement, de choisir plus précisément les produits qu'on a envie de servir et dans quelles proportions. Cet équipement permet effectivement aujourd'hui de transformer l'ensemble de nos déchets alimentaires en compost par un système scientifique élaboré. Auparavant, ces déchets partaient directement à la communauté d'agglomération. Hein, donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que nous sommes dans un lycée agricole et que effectivement, le fait de produire pour nourrir et que les restes de cette nourriture retournent à la terre, pour nous, effectivement, le cycle de production est au cœur des activités pédagogiques de notre établissement. Est-ce que vous pouvez me dire, André, à peu près par jour, combien vous mettez de kilos de déchets alimentaires de ce composteur? Ici, 55-60 kilos, et la machine accepte jusqu'à 70 kilos pour cette machine. Est-ce que depuis qu'on a démarré le projet Green Cook, où on sait aujourd'hui les quantités, est-ce que vous avez vu un petit peu les quantités diminuer? Tout à fait. J'étais au départ à 80-85 kilos pesés et je suis à 55 aujourd'hui.